Voici le Diam 24, le petit nouveau de la flotte de l'école navale du Poulmic. Enfin presque. Ce trimaran de sport sera mis à disposition régulièrement de l'école. Il est conçu pour régater en équipe, à 3 ou 4 co-navigateurs. Ses capacités techniques sont de réels atouts pour l'apprentissage de la voile. C'est surtout l'accès à la haute compétition et puis le challenge de naviguer sur des bateaux technologiques très pointus. L'acquisition d'un monotype multicoque n'est pas chose facile. Alors si le baptême du Diam 24 West Courtage se fait à l'école navale à Lanvéoc, c'est grâce à la volonté de se passionner de glisse, de vagues et de vitesse. Une convention a été signée entre Evan Le Bourdet et l'école. J'ai d'abord décidé en famille de commander ce support comme support de communication pour mon entreprise. Derrière, j'ai réfléchi au programme sportif, j'avais deux options et m'est venue l'idée un matin d'appeler l'école navale. Et donc je lui ai exposé une idée de mettre à disposition un trimaran Diam 24 pour l'école navale, pour faire passer des valeurs sportives, technologiques, de transfert de savoir avec les élèves de l'école navale, mais aussi les sportifs au niveau de la défense. Certains membres de l'équipe de France militaire de voile étaient bien sûr présents pour l'événement. Les multicoques, c'est un peu l'avenir de la voile et c'est chouette pour les élèves de l'école et le monde de l'école navale de découvrir ce bateau et de pouvoir naviguer à bord. Et toute l'équipe de France militaire, on est ravis de ce choix et on va essayer de tourner entre nos disponibilités pour naviguer un peu à bord et faire donner un peu notre expérience aux élèves, je dirais. Nouveaux bateaux, nouvelles opportunités de régate donc. Et pas des moindres, puisqu'une équipe de l'école navale sera présente sur le Diam 24 lors du Tour de France à la voile 2015.